Mais oui. Je n'aime pas cette mesure méchanceté. Ouais. Après, ouais. Mort vivant exterminé. Débile. Ah, je devais te l'envoyer là, le chien. Débile comme comportement. Ouais, bon, t'as eu raison. Faut que je recharge. Bon, jusque là, ça va l'arme, elle est sympa. En train de faire un TikTok, oh, je vais le finir après. Mort vivant de moi. Genre de mentalité, c'est trop. Bah ouais, mais bon. Si tu veux. Je veux aller. Ah non, peut-être pas direct en zone 3 là, du coup. Oh, si, on peut y aller. Hein. Ok. Sauf si on va peut-être faire un petit une forteresse là. Vas-y. Sur le passage pour essayer de choper des. Je suis chaud. Des petites cartes là pour mettre sur les tables. Il y en a une là. Élimination de zombies confirmée. Ah, j'ai hâte de tryhard les armes Blue et 2 aussi en camo là. Ça va être incroyable de voir. On va redécouvrir des armes qui sont viables aussi. Parce que je suis sûr que là le chat on n'a pas tout découvert au niveau armes viables. Hein. Pas être surpris hein. Ouais. Bah déjà la F-Tac j'ai été surprise. Surpris. La F-Tac Akimbo elle défouraille. J'aime pas trop jouer à Akimbo moi. Bah moi non plus à la base mais celle-là ça va. Bah, après il y en a plein d'armes bien. Le but c'est de faire une vidéo sur toutes les armes qui sont viables. Après chacun. Chacun joue ce qu'il veut. Ah mais attends. J'avais pas vu l'arme est automatique en étant pas capable. Putain! Ah ouais? Mais oui! Regarde! Combien? Pas top H combien? Je suis pas 2 mais. Mais à partir du pop 1, t'es sûr que t'es auto? Moi je tire en rafale avec la mine. Laquelle? La FR. Ah oui, mais je suis à la M16 moi. M56. Oui, elle reste en rafale elle. Surprise. Hein, ouais, ça changera rien ça. Oh, fait chier. C'est à partir de pop 1 qu'il y a le changement, c'est tout. Forteresse ennemie en vue. Non, ouais, c'est une arme qui est pas folle. Celle que t'as. Bah, ouais, mais faut que je la monte. Ouais, mais. C'est la seule que j'ai pas montée qui me manque le camo. En assaut. Ok. Oh, je les monte petit à petit et chaque game j'en monte une. Ouais, t'as raison, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ouais, c'est bah, si je fais comme tu faisais avec les tutos, je pense que ça me donnerait. Comme je faisais en fait. Ouais. Ça va vite, tu vois, mais ça me sauverait en fait. Je sais soulever en fait de faire que ça. Ah, le tuto XP. Ouais. Ah, oui. Ça peut être chiant, hein. Tu sais, le fait. Putain, je suis en train de faire ça et. Qu'est-ce que je vais faire ouais. Oh, mais y'a pas de course, façon pour le camo. Camo, que tu le finisses maintenant ou dans 6 mois, ça change rien en soi. Donc, moi, c'est vrai que j'aime bien le rush en stream parce que c'est sympa faire ça avec la commu et tout, mais sinon, y'a aucun intérêt après. Par contre, tu serais surpris des dégâts de l'arme. Hein. Comme c'est une arme à rafale et qu'elle fait plus de dégâts parce qu'elle est rafale et que là elle est automatique, elle est incroyable. J'ai dépop un disciple en 2-2. Oh bah lui aussi. Je crois que je viens de trouver encore une bonne arme. Pas incroyable le chat? Vous en pensez quoi honnêtement? C'est pas la peine de m'inquiéter. Y'a un grand sac à dos là. Ok. Y'a pas grand chose, écoute. J'arrive pas à m'y habituer.
Et une autorèse en rab. Ah, je vais peut-être la prendre celle-là par contre. Et t'as un mode cryo. J'ai tout mis à l'entrée, à part le mode cryo. Ok. Changement de chargeur. Elle envoie la M16. Ah, on est d'accord, stylé, énervé. Ah ouais, ouais. Bon, je suis pas de épique, c'est pas mal, mais elle est pas non plus max à fond, tu vois. Et elle a pas de mode munition, et du coup, je tapais même pas dans les faiblesses des bots. Des boss. Ça va m'arriver souvent, ça, quand même, hein. Avec des MZ, putain. Et ouais, pas mal, hein. Tiens, je vais taper celle-là, hein. Ouais, vas-y. Voir ça, hein. Bienvenue, j'ai Youssef. J'ai un massos, tu veux. Non, tranquille. Je change de chargeur. Attends, je vais aller me chercher des balles. Peut-être voir pour améliorer un peu la classe, voir si on peut pas réduire l'effet de recul du coup. Maintenant qu'on a réduit le recul. C'est bon, j'ai déjà. Ah, même en zone 3 elle tabasse. Hein. Par contre les zones la zone 3 les zombies qui courent comme en zone 1, derrière toi il y a du monde. J'ai rarement enchaîné autant de zombies comme ça sans trop bouger en zone 3. Bah c'est une forteresse. J'en ai des sphères 3 en bas. Il y a un des sphères en haut. Ah ouais. Oh nickel. Oh là là, le disciple! Le disciple il ramasse ses PV au sol là. Ouais, c'est mal quand même. Ah ouais, ouais. Bon, y'a un monde fou là. Ah ouais, ouais, ça tabasse. Hein. En fait, ce qui est bizarre, c'est que moi je me suis dit au début, on est sur MW3, les armes des MW3 feront plus de dégâts. C'était ça quand il y avait eu l'histoire Cold War, MW2019 et tout. Les armes de MW2019 faisaient plus rien. Les armes de Cold War étaient trop fortes. Mais là c'est pas trop le cas. Hein. C'est assez kiff kiff. Dans les deux cas t'as des armes nulles, dans les deux cas t'as des armes bien. Oh, oh. L'abomination. Ah oui, je me disais. Ah maman. Un œil en moins. Le disciple à l'intérieur. Ah oui, il y en a un deuxième. J'ai deux mini sur moi. Ah merde. Ouais, va falloir t'autoriser. Je vais rechercher des. J'ai mis des leurs, vas-y. Hein. Je vais rechercher des munes. Attends, Chi. Attends, attends. Deux secondes. Attends, attends. Calme. Les armes W2 spawn aléatoirement sur la map ou dans une zone 2 ou 3, tu peux en trouver. Tu peux en trouver partout en vrai, c'est aléatoire. Après, c'est rare. Hein. Oh putain! C'est plus les armes de W3 quoi. J'arrive. Oh. Que ce soit la dernière fois. Ok. Elle est où l'abomination? Ah, elle est pop. Ouais, j'ai déjà envoyé un truc dans l'eau et. Ouais, je... Donc un petit chouille de dégâts sur les zombies niveau 3, mais en vrai, si je l'améliore.
doit pouvoir faire le taf. J'ai envoyé un... Ah bon. Désinfectez votre équipement avant de repartir. Vous avez un objet de valeur. Des armes forgées, bien joué. Non, non, c'est rien. Vous aviez mieux à faire. Forteresse sécurisée. Ça fait un quart de moins. Comme la chaise, je vais le prendre. Content de voir que vous allez bien. Il y a un pape 1. C'est tragique de perdre mon meilleur chercheur de terrain. Tiens, et un outil bleu. Hop. Ouais. C'est un peu près tout. J'ai tout mis là. Un objet de valeur là. Ok, merci. On va reprendre des munes. Je vais peut-être prendre. On est là. J'ai repéré un contrat de raid de cache d'armes. J'entamais la cache d'armes. Ça fait un niveau 3. Un petit peu costaud. Un quatrième code pour le PC Anniversary. Eh B. Y'en a des codes. On va aller faire un tour dessus après les gars. And I just can't get... Là. Ouais. Les communications ennemies indiquent une cache d'armes à proximité de vous. Et si vous les récupérez, élimination de zombies confirmée. Du monde, hein. Je change de chargeur, je lance un leurre. Ça faut essayer de réduire le l'effet de flash là, c'est une horreur. Faut l'ajuster un peu cette classe, mais elle est pas mal. C'est moi où il s'est téléporté comme Buzz l'éclair lui. Quick revive, c'est tout. Wesh. Je prends une vague de zombies dans la gueule. C'est mieux. C'est peut-être les miens. C'est possible.
Ok. Bon, on va prendre la traque. Hein. J'ai perdu mes grenades là, putain. Je t'en redonne une. Heureux, Sarkozy. Pour le moment, il y a juste 4 codes. Après, peut-être il y en a pour descendre. Encore mis en place. Je sais pas. Bon, c'est déjà bien en vrai. Après, les gars, dès que vous atteignez le niveau 15, vous pouvez désinstaller. Hein. Tranquille. Hein. Comme d'hab, on reste pas dessus. Hein. Il y a beaucoup. Ouais. J'ai mis à l'heure. Ok. Oh putain. Tu cherches à me ralentir. Merci. J'ai appuyé sur, à peine sur la carte, je me suis pris. Ouais, avec le leurre qui s'est fini. Ouais, la toile ici elle est mal placée. Bon, je vais l'entamer à la thermite. Il a deux yeux en moins. Vas-y, je vais l'amener dessus. Ouais. Parfait. Non. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi. Voilà. Que ce soit la dernière fois. On est dans le même camp, fais gaffe. Oui, la toile. On a un peu de mal. Il y a un T3. D'armure, là. Changement de chargeur. Tu veux un câble HS? Ouais, je veux bien, ouais. Pour les issues. Je le drop là. Je vais passer chercher les munes, ça je te donne. Trop de monde. Trop de monde. Oh putain. Attention, il y a un petit paquet là. Ok. Par contre, dans l'acte 3, on te demande de tuer une méga abomination juste avant de le faire. J'ai fait une prime zone orange. Ça m'a validé le défi. Je vais prendre le contrat là. Cette mission est pas mal buggée, vas-y. Cette mission est pas mal buggée, elle se réalise de plein de façons différentes. Il y a même pour des gens pour qui ça se valide tout seul sans rien faire, juste en lançant la game. Ok, équipe d'assaut, on s'apprête. Attention, un coéquipier souhaite annuler le contrat. Que voulez-vous faire? Ok, elle est vachement dure en plus. Ouais. Sans votre intervention, ces vortex contamineront toute la zone. Contrat de livraison de marchandises marqué. Tout petit farm zone 3, tranquillou, épouse. Du coup, je l'ai pas tué pour mon défi. Ok, ouais. Les mercenaires déplacent des armes dans un véhicule près de votre position. Détournez-le. Dépêchez-vous d'ouvrir cette porte. Je vais nous mener à destination. Si tu cours, si tu passes par la gauche. Tu me rejoins. Ouais. Quelle gauche?
par la gauche, par là, la courroie là. Ouais, oh, c'est pareil en vrai. Je prends les deux, ça dépend des fois. Je veux pas vous presser les gars, les mercenaires ont déployé un putain d'hélicoptère. Je sais pas s'il y a un grand changement en vrai. Je trouvais ça plus rapide pour pas qu'on... Ouais, un peu, ouais. Bon après dans tous les cas elle est simple hein. Ouais. Ah, pop 2. Let's go. J'ai un contrat de purge des terres là. Un beau petit coffre là. Et bah y'a rien dedans. Faut y aller. Rendez-vous à l'emplacement indiqué. Let's go. T'as tous les schémas au fait? Non, j'ai pas le violet là. Ah oui. L'outil. Schéma. Ok. Ah. Circuit tourelle. Et y a un tonfa. Je suis sincèrement désolé pour ce qui est arrivé à votre équipe. Y a un tonfa bleu si jamais tu veux ici. Il y aurait. Ah oui, tiens. On fait là. Avant que je me passe. Passe défensif. J'ai mis à l'heure, vas-y, prends là. Je l'ai droppé là derrière. Derrière là. Près du DNP. Là, là. Ah, c'est bon, ça va. Ok, cool. J'ai cherché une mission. Ouais, bah moi aussi. Vas-y, vas-y d'abord et j'irai après. C'est ma thermite, elle m'a démonte. J'avais pas PhD. Il est beau, électrocuté. Bah franchement elle est pas mal ma petite M16, j'ai juste un peu amélioré la classe, mais sinon propre. J'essaie d'enlever un peu le flash avec un autre avec un réducteur de flash ou quoi, qui permet d'avoir un petit contrôle de recul quand même. Je vais à côté. Vas-y. Je mets à l'heure au cas où. Si tu veux sortir. Ah, encore. Oh, fiché cet emplacement. Je vais chercher des munes. Je vais contourner par là. J'ai un petit circuit tourelle quand même au cas où. Moi aussi j'en ai un. On le fait ou on l'annule? C'est quoi? Ouais, je suis sur le... la tourelle. Ok, vas-y. Je vais la tirer.
Allez, prends la gros. Grenade l'air lancée. Oh, t'en as deux, fais gaffe. Il y en a un derrière toi. Ouais. Je me fais sucer. De faire le tour là. La tourelle elle va s'amuser. Le garde Frenzy qui me sauve. Ou pas. Merde, putain, j'avais mis à l'heure. Ah, ça va, Sharkozy, t'inquiète. Bon, y'a pas grand chose. Et l'autre, il est là. Il en reste plus qu'un œil. Et mort. Oh, il est buggé. Il y a ma toile derrière. Ah, ta toile, elle s'est arrêtée, merde. Oh non. Oh, c'est rien, je vais le finir. J'ai pas que la part pour sa vie, quoi. Non. Oh, y'a la valise carrément de l'incendiaire. Ah. Oh, y'a un. Il y a des zombies là. Ouais. J'ai eu un masto en rab. Oh, maman. J'ai fait tomber un musto, fais gaffe. Aïe. Attends, j'arrive. T'as une barre, quoi. Là, j'ai le musto. Tiens. Ouais. T'as encore. J'ai eu la même chose aussi. Un masto, tu l'as pris? Ouais, je l'ai utilisé, c'était celui-là. Ouais, prends-le toi, moi j'en ai un encore. Okay. T'as vu la valise de l'incendiaire? Pas mal, hein? Ouais. J'ai trouvé un contrat de contrôle de sport. Tu peux stocker la valise du laser aussi? Je l'ai. Ah, tu l'as? Ouais, je l'ai sur moi, ouais. Bah donne-le moi, je vais le stocker si ça te libérera de la place. Bah ça, je m'en servirai pas donc. Mets l'autre arme à côté, voir la taille des deux. Ouais, c'est ça, le laser est plus petit hein. Il a la même taille que la DG2. Vas-y, tu peux les prendre, je te foire pas. Changement de chargeur. Oh. J'ai tenu la leçon. Contrat d'escorte de décontaminateur repéré. Sur la MTZ-762, la cam orange satinée, il me demande de faire 100 kills peu après avoir utilisé l'amélioration de combat, je fais. Comme ils disent, mais les kills sont pas comptés, je crois pas. Tu utilises ton amélioration de combat et pendant 3 secondes, c'est comptabilisé. Donc tu fais un tas, tu utilises l'amélioration de combat et tu bourrines. Tout simplement. Ok.
Wow. Quelqu'un a commandé un décontaminateur, livré spécial puissante au point de largage. Bah il va attendre 10 secondes. Hein. Voilà, c'est bon. Okay. J'avais 50 zombies derrière moi. Alors ça va, tant que t'en as pas 51. C'est le mec qui abuse. Ok, décontaminateur. C'est pas comme ça qu'on va venir à bout de cette contamination. Regroupez-vous et reprenez la mission. Salut Ntemi. Comment tu vas? Le souffle de glace court, ça va plus vite, astrogène. Merde, vas-y fonce. C'est bon. De rien. Je veux PhD et mental pop. J'ai mental pop. Je vais nous mener à destination. Okay. Oh sérieux. J'ai un bug quand je retourne dans les menus, tous les objets de mon sac à dos disparaissent. Quelqu'un a une solution? Oui. Tiens. Hop. Voici le tuto. C'est le sport là. Vas-y. De rien, BG. Je vais laisser le véhicule là. Prendre des munitions. Ouais. Va y avoir du monde, ça spawn. Y'a personne qui est venu, hein. En zone 3 de la game. Non. Les gens restent. Oh, mais y'a plus personne dans la game. Oh là là là. Ils disent qu'ils veulent 2 heures de game, mais. Faites déjà une heure complète, les gars. Au secours. Hein. Quelques personnes en zone 2, mais après. Ils doivent se faire chier en zone 1 et zone 2 à force quand même. Quand même. Mon équipe enquêtait sur des anomalies locales. On commence à être pris du nez, ça y est. Oh non! Soldat! Ouais, t'es sorti là. Vous feriez mieux de vous exfiltrer. Cherche à me ralentir! On est dans le même camp, fais gaffe! Il te reste un truc pour détruire celui-là? Destination marquée. Oui. Laissez tomber.
c'est plus loin. Ouais, bon. GG. J'ai peut-être eu un léger doute, mais ça n'a pas duré longtemps. Ce sport n'avait aucune chance. Un marathon. Oh, j'ai tout. Rien de bien, moi. Enfin, rien d'utile. Si, il y a des trucs bien, mais. Grosse menace éliminée. Contrat de prime disponible. Ouais. Allez. Ça, j'ai dit il y a 30 minutes. Il reste moins 50% des gens. Et à l'hélico d'exfiltration, il y a juste une ou deux teams max, jamais plus. Ouais, c'est ça, hein. Ça. Salut Garla, ça va et toi? Parera à l'équipe d'assaut. Je marque la position d'une créature. J'aurai grand besoin d'un échantillon génétique. Aïe. Ah oui, bah oui, Sarkozy, faut pas compter sur eux pour te faire rire. T'as déclenché l'arme du véhicule. Ouais. Incroyable. Ça fait double l'heure ton truc. Je l'ai fait bugger en me mettant là. Élimination de zombies confirmée. Je rêve où il y a moins de viande. Oh mais il y a un glitch ici. C'est un truc doux. Ouais, je sais pas, les viandes, ça dépend ce qu'on utilise comme arme. La Delbot a devrait m'en donner. Oui, elle devrait m'en donner. Mais attends, mais vous avez vu les gars? C'est genre comme si c'était pas codé, il peut pas venir. Ok, il y a peut-être l'étagère et peut-être le toit et tout, mais quand même. Là, il vient plus tout. Ouais, il vient vers moi là. Je vais tirer dessus. Non, c'est bon là. Mais là, il vient vers toi. Un grand sac à dos. PhD. Chercher des munes. Ah, 250 kills avec la M16. On prend un peu d'avance. Attention, un coéquipier demande l'annulation du contrat en cours. Vous pouvez accepter ou refuser. Barrera va pas me lâcher la grappe. Mais c'est d'accord. Vous pouvez disposer. Petite Ouais. Zone de marchandises, Marc. Faut y aller. Je me suis pas planté. Pourquoi ça fait aucun dégât à la tourelle hein? Ouais, c'est du lâcher. C'est dommage. Ouais, on va faire des dégâts. J'étais dessus du boss, je le trouve super simple, dommage. Le vert hein. Ouais, bah après le vert c'est pas vraiment un boss non plus. Hein. On va le revoir d'ailleurs le vert en saison 1.
Mais après, il n'y a jamais eu de boss hyper compliqué sur, sur les zombies de Treyarch. C'était sur Infinity Ward qu'il y avait Infinity Warfare, pardon, qu'est-ce que je raconte, qu'il y avait le son, il était devant. Hein, le son il était devant. Ah ok, c'est pour ça que tu le cherchais Bah ouais, sur Infinity Warfare pardon, qu'il y avait des gros boss durs à tuer, tout ça, dont Mephisto, qui est toujours le boss le plus dur à tuer à ce jour. Mais le problème, c'est que des boss trop durs, enfin les gens veulent des boss durs, mais des boss trop durs, les gens gueulent alors. Il y en a plein qui ont jamais réussi à faire Mephisto. Ou qui n'arrivent toujours pas à le faire sans les cartes. Ouais, tu dis qu'il y a personne sur la carte, mais il y a du monde sur la carte. Ah, il y a pas grand monde quoi. Ah, mais je croyais que t'avais dit qu'il y avait plus personne. Non. Ok, ok. Il restait une demi-heure, il y avait déjà la moitié de la map en main. On croirait des mons qui fait des bruits, qui essaye de communiquer. Là, j'ai plus de balles, putain. Sac à dos. Cadavre abattu. C'est une véritable avancée pour nos travaux. Vous pouvez y aller. Barrera, vous en êtes très reconnaissant. Reprenez la patrouille. Je change de chargeur. Ça ou pas ça. N'importe, comme tu le sens. Toi qui décide. Hop. Avec ce spawn. Ouais. Bon bah j'ai un circuit. Hein. J'en ai un. T'en as un toi? Ouais, je vais l'utiliser. Vas-y, vas-y. On s'en est fait de la thune, non? Ouais. Après j'ai rien utilisé moi. Ah bah moi j'ai amélioré deux fois. Il a pris la grosse sur toi. Voilà. T'arrives à l'amener par là. Yep, ça arrive. Là. Ouais. Ah, il galère à venir, putain. Eh ouais, ouais, il se coince. C'est un gros cul. Oh là là là. Il pourra jamais venir là. Seule une tempête d'éther peut détruire ses antennes.
être. Voilà. C'est bien, bien. Aïe. Pas sûr qu'il puisse traverser là, mais. Non. Il te reste une thermite ou pas? Oh, y'en a un deuxième. J'en ai plus non plus. La toile va bientôt s'éteindre, je pense. Oh, garde-le, garde-le. Allez, viens. Allez, viens. Voilà. Ah oui, merde, allez, attends. Il essaye de se barrer et l'autre il le bloque. Wouah. Allez, lui dada. Oh, allez, faut qu'elle se dépêche parce que là j'ai les deux sur le dos. Je vais pas tenir longtemps, moi, enfin. Allez, allez, on a eu un. Voilà, merci la toile. Oh, y'a rien du tout sans déconner. Putain, ouais. Wouah. Ah ouais, ça arrive. Bon, je vais pop 3 et je vais essayer de récupérer mon cristal. Oh là là. Bon, un petit 72k. C'est pas mal les gars, une bonne petite game avec Nuka là. On se balade dans zone 3. Tranquillou. Salut Wanted, tu vas bien? Honnêtement, pas dégueu, comme nos games multi, c'était pas dégueu. Bonjour multi, il faut qu'on soit plusieurs. Ouais. C'est pas marrant. Ouais, je pense que c'est ça. Et puis on ressent moins le SBM à plusieurs. Ça s'équilibre avec le niveau de tout le monde. Au final, on a pas sué, on a joué normal et ça a été. Ouais, ça va la forme. On essayait d'avoir le schéma de l'outil d'éther pour Nuka. On s'en fout du niveau qu'ont les gens. Venez avec les niveaux que vous avez. Wouah, photo de chien, abuse. Comment ça, photo de chien? Je pop 3 épique. Ah, vas-y. Bon, allez, on se casse. Et moi, je peux pas le faire là, du coup. Si, tu peux. Eh, ah bah, attends, ouais, je le fais. Tout le monde peut le faire. Attends, je te mets un leurre. Ok, photo. C'est bon, il est. Si tout le monde peut le faire une fois. Outil d'éther. Le bleu. Ok. Oh, y'a la zone. Oui. Ah, maman. Ah, c'est bon. On prend un leurre sur la gueule. J'envoie une thermite. J'ai plus de chien. Allez, go. On a une petite exfil ici, monsieur. Ah, toujours bugué. Destination marquée. Je vais nous mener à destination. Elle est bien conduite. Touche pas la bagnole. Non. Oh non. Hop 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 hop. Si on se prend un zombie, c'est fin du game. Oh putain. En quoi je me rends sûr.
Oh, et je... C'est la mission. Oh putain. Oh là. Oh, le chien dégage. Non. Oh, elle a tenu. Oh. Bah, elle tiendra pas un deuxième zombie. Ah voilà. Non, ça va, c'est juste là. Renetti Akimbo, ça doit être cool en zone 3. Ouais, peut-être. J'avoue, on n'a pas test, je crois. Putain, mais elle fait pas de dégâts en fait. T'as là ? Ah ouais, mais je suis trop bon. Sortez-nous de là, Feng. On a fait ce qu'on a pu. Et d'ailleurs, évidemment, j'ai rendu hommage. Ouais. Tu pourrais m'envoyer le rapage des touches clavier. J'essaie de trouver la bonne. On est pas mal méchant. Bah après je peux vous l'envoyer hein, c'est pas un souci hein. Mais moi je vous dirais c'est plus personnel les touches tu vois. Au début quand j'ai commencé je savais pas quoi quelle touche mettre et tout ça. Et je regardais un peu aussi sur internet les touches que certains mettaient et tout ça, mais honnêtement c'est pas forcément pratique des fois. Faut voir plus toi à ta disposition de clavier et comment tu te sens à l'aise. Moi par exemple, ouais, 99% des joueurs clavier souris courent avec mage. Et ben moi je cours avec contrôle et je m'accroupis avec mage, l'inverse. Je trouve ça tellement plus fluide, tellement mieux. Oh, je vais me prendre l'hélice là, non ? Ah non, ça. J'ai mis à l'heure. Oh oh. J'ai mis à l'heure, t'inquiète hein. Oh regarde ! Oh la boucherie ! Oh là là, ça fait tout laguer ! Regarde la boucherie ! Oh il décolle ouh. C'est bon. Un zombie à bord. Ah. C'était trop lourd l'hélico. Ouais. Il y avait des gros sacs qui le faisaient bugger. Ouf. Et ben, ce fut une belle game hein. Ça sort du stuff, ça sort du stuff. GG.